Le tour de hanche simple à mi-hauteur. Dans un premier temps, le lutteur vient exercer une forte pression vers le bas avec la main posée sur l'épaule pour créer une réaction adverse chez son adversaire. Puis, dans un second temps, le lutteur vient simultanément réaliser un décalage circulaire et placer son bras derrière la ligne des épaules. La technique se conclut par un puissant mouvement du torse en rotation vers le sol, qui permet de contrôler directement l'adversaire dans une finale costale. La forte pression exercée par le bras dans le dos de l'adversaire assure la validité de la technique, la permanence du contact et l'enchaînement naturel vers une finale.